Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui on va parler sur les pathologies thyroïdiennes et le déroulement du mois de Ramadan. On va rappeler que les pathologies thyroïdiennes sont très diverses. On peut avoir des goitres, c'est-à-dire augmentation du volume de la glande thyroïde. On peut avoir aussi des troubles hormonaux comme l'hypothyroïdie qui est un trouble de sécrétion des hormones thyroïdiennes ou bien une hyperthyroïdie qui est secondaire à une hypersécrétion des hormones thyroïdiennes. Pour ces patients peuvent jeûner le mois de Ramadan, mais avec des précautions à prendre. Il faut noter qu'il faudrait faire un bilan thyroïdien, qui est la TSH, avant le mois de Ramadan pour pouvoir adapter le traitement. Il y a aussi des précautions à prendre par rapport au traitement, surtout chez les patients qui ont une hypothyroïdie. Et chez ces patients, il faut noter que le traitement doit être pris 30 minutes avant le repas, puisque le traitement, s'il est pris avec le bol alimentaire, il est mal absorbé. Aussi, chez les patients qui prennent le traitement d'hypothyroïdie, il faut éviter une prise concomitante de café, de jus de pamplemousse, de pansements gastriques, qui sont des facteurs qui diminuent l'absorption des levothyrox et qui peuvent aggraver leur symptomatologie et conduire à une hypothyroïdie qui est plus sévère. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.